connaissais, toi aussi? Non, je connaissais pas. Pourtant, c'est tout près de la maison, mais... Dit is het kasteel van Petit-Lay, vlakbij Jean Blou. C'est chouette, on va visiter. Hein. De broertjes Hendrik zijn vandaag onze gastheer. Gaëtan speelt bij Charleroi, Jonathan bij Lommel. Vélo Donkey Kong. Donkey Kong, ça, ici. On a commencé ensemble le foot, après on est parti ensemble à l'internat. On a vécu ensemble en appartement quand on était encore très jeunes, rien qu'à nous deux. Donc voilà, c'est vraiment une relation forte. Et la distance, quand il est parti en Islande, nous a encore plus rapprochés. Donc c'était, voilà, ça nous a permis de nous rendre compte à quel point on était accrochés l'un à l'autre. C'est pour ça que j'ai choisi de le prendre comme témoin de mon mariage. Le 1er janvier, c'était naturel pour moi, puisqu'on a une relation très, très forte. Gaëtan is pas getrouwd tijdens de winterstop. Hij gaf zijn ja-woord aan Carole. En dat is de zus van het lief van Jonathan. Mais on avait organisé tout simplement un nouvel an à l'appartement, quand on vivait tous les deux. J'ai dit à ma copine d'aujourd'hui, bah, si tu veux, tu peux inviter ta petite sœur, mon petit frère est là. Si elle a rien à faire, elle sera là. Et depuis ce jour-là, bah, ils ne sont plus quittés. Donc, On a décidé de se marier, donc voilà, aujourd'hui, ben, en plus sans mon frère, ben, j'aurais peut-être pas encore trouvé la bonne. Donc là, ben, grâce à lui, j'ai pu rencontrer ce qui est aujourd'hui la fille que j'ai épousée. Eh ben, 5 200 € si tu veux, un beau cadeau de déco pour chez toi. Na een gezamenlijke opleiding bij Standard ging elk zijn eigen weg. Jonathan koos voor een avontuur in IJsland. C'était un pari, c'était quitte ou double. Hein. C'est vrai que c'est un championnat qui est beaucoup moins réputé. Voilà, maintenant, à l'époque, j'avais 20 ans. C'est atypique, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis là-bas. Mais franchement, en étant si proche de lui, je crois que c'est le meilleur choix qu'il ait fait. Parce que ça l'a changé humainement et footballistiquement. Donc, Sportivement, j'ai connu la joie d'être champion 2 années d'affilée, de jouer, bah, même si ça reste des tours préliminaires, ça reste les plus grandes compétitions européennes. Et maintenant, il y a l'ambition suivante, qui est d'aller le rejoindre le plus rapidement possible. Je pense qu'il n'y a pas un mercato où on n'en parle pas, où il n'y a pas des rumeurs qui disent les frères Hendrix, pourquoi pas. Nous, on n'en fait pas une fixette. Maintenant, si c'est à Charleroi, c'est bien. Mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir rejoindre la D1A ici à la fin de saison. Gaëtan komt dit seizoen weinig aanspelen toe bij Charleroi. Hij relativeert dat wel. J'ai beaucoup appris cette année, peut-être un peu moins footballistiquement, parce que évidemment j'ai moins de temps de jeu, mais en tout cas sur moi-même j'ai beaucoup appris. Donc c'est une saison, je sais, qui me sera bénéfique pour la suite, mais aujourd'hui voilà, la situation est ce qu'elle est, j'apprends et puis on verra par la suite ce qui se passera. Moi je suis content qu'il soit revenu et maintenant j'attends que tu viennes me rejoindre. Hein. Que tu viennes me rejoindre en D1, comme ça je pourrais te mettre des tacles. Over tackles gesproken, heeft er iemand nog iets te vertellen over de anderen? Une anecdote sur Gaëtan, sa première époque à Charleroi lorsqu'il était gardien, c'était plutôt du genre à enlever ses gants et s'asseoir au milieu du goal parce qu'il en avait marre d'encaisser ou que ses coéquipiers ne courent pas assez à son goût. Moi, mon gars, je sais pas. Une anecdote. Je sais pas quoi dire, moi. On dirait qu'on se connaît pas. Ok, dan proberen we maar de vragenronde. Qui a la meilleure vision du jeu sur un terrain? Gaëtan. Moi. Qui a le meilleur pied droit? Moi. Oui. Qui a la meilleure frappe? Oui. Gaëtan. Vous n'êtes pas d'accord là? Non, là on n'est pas d'accord. Qui est le plus rapide? Moi. ouais, je sais pas, j'hésite pas. On va essayer si tu veux. Dans quel club vous rêviez étant enfant ou encore maintenant d'évoluer à l'étranger? Dans mes rêves, c'était le Real Madrid. Mais moi, comme je suis pour Barcelone. Qui est le meilleur cuisinier? Gaëtan. Ouais, j'aime bien cuisiner. Qui est le plus charmant avec sa compagne ou sa femme? Jonah. Sûr et certain, c'est Jonah. Pourquoi? Ah, il est très romantique. Moi, je suis pas du tout romantique, moi. Pourtant, je suis marié, hein. Je suis pas du tout romantique. Merci, les gars.